Alors, eh bien, très bien. Nous allons voir tout de suite. Marlène, équipe-toi. Allez. Marlène, on compte sur toi. Mais j'ai le vertige, hein. Je te préviens. Ah, alors ça, par contre, ça risque d'être un peu plus compliqué à gérer parce qu'en effet, le précipice extérieur a pour principe de te faire évoluer au bord d'une corniche. Au bord d'une corniche. Le long de la paroi du fort. Donc, forcément, précipice. C'est très haut, il y a combien de mètres? Oh, il y a une petite trentaine de mètres. C'est rien, mais t'as sauté toujours dans tes fonds. C'est pas pareil de sauter que de faire. De toute façon, on perdra. Alors, c'est sûr que je viens l'attacher là. Vas-y, passe partout. Et tu vas aller jusqu'à la fenêtre où là, on va te. C'est un suicide. Mais pas du tout. Un suicide au harnais. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai peur. Ah non, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible d'aller là. Hop, c'est parti. Alors, le parchemin nous indique ceci. Jusqu'à l'embrasure de la prochaine fenêtre, tu dois suivre le mur et y passer la tête pour attraper la clé et revenir peut-être. Allez, Marlène ! Elle ne t'entend pas. Hein. C'est comme Alien. Dans l'espace, on ne t'entend pas. Quand on voyait, on ne t'entend pas. Non, c'est parce que je viens de faire 2 dB et toi, tu es en train de foutre en l'air ta voix. Donc, c'est pas... Sortie de la plaisanterie, il faut quand même préciser 2 choses. 1, elle a peur du vide. 2, il y a du vent aujourd'hui sur le fort. Et donc, forcément, ça ne facilite pas sa progression. De là où elle est, on sait qu'elle nous regarde. Va la voir, va la voir. Ouais, c'est ce qu'elle se mette à la fenêtre, je vois là. Ah, on n'a pas pour s'accrocher là. Là, elle est à peu près à la moitié du parcours. Des aigles en fait. Des aigles viennent. Regarde le temps, il faut revenir. Vas-y, retourne. C'est passe-partout, il va me balancer encore. Et qu'est-ce qu'on fait là? Le seul problème, regardez la clé de cidre. Le seul problème qui va jouer contre vous, et contre elle surtout, c'est le temps. Et malheureusement, malgré tous ses efforts et le courage dont elle a fait preuve, eh bien, nous avons perdu Marlène. Elle sera donc récupérée par la boule et elle sera précipitée sauvagement dans les geôles du fort. Ou merci, passe. Est-ce qu'il y a des services corporels? Comment ça non, se passe? Non, la maison ne pratique pas ça encore totalement. Okay. Qui sait l'année prochaine?